Bonjour à toutes, bienvenue sur TV Saint-Leu dans le cadre de notre émission Cuisine la Case. À ce soir, je présente à Zot un riz en brocal pomme de terre. Donc pour commencer, je vais faire chauffer 3 cuillères à soupe d'huile dans une marmite. On va attendre que ça chauffe avant de pouvoir y mettre les oignons que j'ai préparés auparavant. On va y mettre de l'ail sel poivre que j'ai préparé aussi, quelques épices, de l'ail sel poivre que pilé dans le pilon, hein, ou dans le calou plutôt, hein, calou pilon. Et puis bah, je vais y mettre aussi des pommes de terre puisqu'en fait ça va être un riz en brocal pommes de terre. Et avec un petit peu de safran, un petit peu de... Alors on va regarder. Ça cuit un peu là, oui, ça commence à venir. Avec un petit peu de thym bien sûr, et puis voilà. Donc on a commencé par faire chauffer l'huile dans la marmite. Là maintenant qu'elle est chaude, on va y mettre nos oignons. On va laisser revenir. On va faire revenir les oignons. Et je vais y mettre aussi un peu de thym effeuillé. Hop. Là, c'est pas du thym en branche. Pour le riz, c'est quand même plus agréable de ne pas avoir les branches. Et si vous avez du thym entier, hein, c'est pas un souci, hein, pour enlever les branches après. Voilà, nos oignons, il ne faut pas non plus qu'elles soient trop, trop roussies, on va juste les faire blanchir. Bon, c'est un riz qui prend très peu de temps à mettre en place. Hein. Après, la cuisson, oui, effectivement, elle doit être d'une... dizaines de minutes, voire 15 minutes. Voilà, là ça commence à bien blanchir. Donc je vais y mettre tout de suite mes épices que j'ai pilées auparavant. De l'ail, de sel, du poivre. J'ai pris pour 5 doses de riz. J'ai pris 10 gousses d'ail, quelques grains de poivre. Et une cuillère à... une petite cuillère de gros sel. On va pas le laisser trop s'accrocher. Alors, on va revenir un petit peu. Attention parce que comme le feu est très fort, il est évident qu'il va vouloir s'accrocher. Voilà, maintenant on va y rajouter un peu de curcuma, allez, une demi-cuillère, demi-petite cuillère de curcuma qu'on va bien mélanger, ça va lui donner tout de suite ses couleurs et ça va le parfumer aussi. Voilà. Une fois qu'on a terminé ça, on va y mettre tout de suite nos pommes de terre. Alors les pommes de terre, on va les faire revenir un petit peu dans cette sauce afin qu'ils s'imprègnent bien des saveurs. C'est une cuisson qui est très rapide, hein. Donc là dans quelques secondes je vais pouvoir y mettre le riz et après c'est cuisson ouais, 10-15 minutes en fonction du feu. A savoir qu'avant la fin de cuisson on va devoir avant la fin de la cuisson on va devoir retourner mélanger
le tout, les pommes de terre avec le riz, parce que sinon les pommes de terre vont rester d'un côté de la marmite et ça ne va pas cuire correctement. Alors maintenant que j'ai fait ça, je vais y ajouter mon riz. Voilà, on va tapoter pour que ça descende tout le riz. Alors, je vais tourner mon riz. Bien mélanger pour que les épices se mélangent bien au riz. Maintenant, je vais ajouter mon eau. Alors, l'eau, je le prépare à la dernière minute. Voilà, alors mon eau, j'ai mis pour 5 doses de riz, là, j'ai mis du coup 6 doses d'eau. Ça va donner un riz un petit peu plus collant. Mais on peut mettre que 5 doses de riz pour 5 doses d'eau, c'est parfait. Hein. Et j'aime le riz un petit peu collant pour pouvoir faire des mises en place dans l'assiette. C'est plus sympa. Parce que si le riz il est trop sec, il tient pas dans les petits appareils de mise en place. Voilà, maintenant on va couvrir tout ça et on va baisser le feu un peu. On va le descendre parce que celui-là c'est un feu électrique, donc je vais le descendre à 6 pour le moment pour le redescendre un petit peu plus tard. Voilà, à tout à l'heure. Donc on voit que l'eau a séché un peu, à ce moment-là il faudra bien mélanger l'ensemble pour que les pommes de terre ne s'accumulent pas dans un endroit de la marmite. Alors, on mélange bien les épices, les pommes de terre et le riz et on va laisser cuire encore une dizaine de minutes à peu près, mais par contre on va baisser le feu parce que là du coup le feu va être trop fort. Ça y est, notre riz est cuit, un petit peu collant comme je le souhaitais. Et bien écoutez, on va pouvoir maintenant passer à table tout simplement. Hein, merci beaucoup et à très bientôt Azote.